Bien, chers collègues, je propose qu'on commence. En tout cas, quelques points avant de passer au sujet principal. On a été saisi jeudi dernier, 8 décembre, de la proposition du président de la République de reconduire comme directeur général de la Caisse des dépôts et consignations M. Éric Lombard. Le mandat actuel de M. Éric Lombard, qui avait été nommé le 8 décembre 2017 pour une durée de 5 ans, est en effet arrivé à échéance. Cette nomination est soumise à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, et nous devrons donc auditionner M. Lombard le mardi 10 janvier à 17h15. Il convient que nous nommions dès à présent un rapporteur sur cette proposition de nomination pour que ce dernier prépare un questionnaire écrit en vue de l'audition de la personnalité pressentie. Je suis saisi de la candidature de Mme Marie-Christine Dalloz. S'il n'y a pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Y a-t-il une opposition ? Non. Donc Marie-Christine Dalloz est rapporteur sur cette question. Alors, il convient également que nous nommions un rapporteur sur les articles du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, qui a été adopté en première lecture par le Sénat ce mardi 13 décembre et pour lesquels nous sommes saisis par délégation par la Commission des affaires sociales pour l'examen des articles 1er à 8 et de l'article 13 du projet de loi. Je suis saisi de la candidature de M. Daniel Labaronne. S'il n'y a pas d'opposition, je propose qu'il en soit ainsi décidé. Il n'y a pas d'opposition. Daniel Labaronne, vous êtes élu. Nous concluons aujourd'hui donc nos travaux de l'automne. Avant de faire une petite introduction politique, je vous expliquerai un peu comment je voyais la réunion. Je voulais vous présenter un bilan chiffré de ces trois derniers mois. Depuis le 26 septembre, date de dépôt du projet de loi de finances pour 2023, notre commission s'est réunie, sans compter la présente réunion, à 36 reprises. L'an dernier, elle avait tenu 35 réunions pendant la même période. Elle a consacré 23 de ces 36 réunions au PLF pour 2023. Pour ce qui concerne le PLF, en commission, en première lecture, 3107 amendements ont été déposés, 2189 examinés et 205 adoptés. L'an dernier, il y a eu 2641 amendements qui avaient été déposés, 1824 examinés et 75 adoptés en commission en première lecture. Nous avons consacré à cet examen en première lecture en commission près de... Nous avons consacré à cet examen en première lecture en commission près de 70 heures contre 50 heures l'an dernier. En nouvelle lecture en commission, 358 amendements ont été déposés, 293 ont été examinés, 183 adoptés, et nous y avons consacré un peu plus de 6 heures, 6h10 exactement, contre 4 heures l'an dernier. En séance publique, l'examen du PLF en première lecture a duré 92h38, ce qui est difficilement évidemment comparable aux 210 heures que nous avions consacrées l'an dernier, et vous savez pourquoi. Si cela n'a pas... Pour les mêmes raisons que tout à l'heure tombera le 10e 49.3. Si cela n'a permis d'examiner que 1214 amendements sur les 6971 amendements qui avaient été déposés, on peut toutefois relever que le nombre d'amendements a cru significativement par rapport à l'année passée, où 5698 amendements avaient été déposés en première lecture en séance. En séance publique, en nouvelle lecture, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aucun des 706 amendements déposés n'a été examiné. Avec 11142 amendements déposés au total en commission ou en séance, le PLF aura connu un grand nombre d'amendements supérieur à la moyenne du nombre d'amendements par PLF pour les 5 PLF de la précédente législature qui s'établissait à près de 9800 amendements. J'y vois un signe d'espoir, le fait que depuis le début de l'examen du texte, malgré la menace du 49.3, ça n'a pas empêché l'initiative parlementaire de prospérer. Mais cela contraste également fortement avec tout ce qui est finalement retenu dans le texte, qui sera promulgué dans quelques jours. J'y reviendrai tout à l'heure. Notre ordre du jour appelle l'examen donc en lecture définitive du projet de loi de finances pour 2023. Madame la Première ministre a fait savoir à Madame le Président de l'Assemblée par contre nationale que le gouvernement, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution, demande à notre Assemblée de bien vouloir la statuer définitivement. À ce stade de la discussion, conformément à l'article 45 de la Constitution, il n'est possible de modifier le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale qu'en reprenant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture. Ce matin, le Sénat a voté la motion présentée par M. Jean-François Husson, au nom de la Commission des finances, et tendant à opposer la question préalable au texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par
notre assemblée. Donc ce que je vous propose, c'est que, vu que nous n'aurons pas de débat tout à l'heure, le 49.3 sera déposé immédiatement, nous puissions faire par groupe une intervention de 2 minutes politique sur le texte. Ça sera l'occasion de le faire, introduite par moi-même et par évidemment Monsieur le rapporteur général. Là aussi, sur des interventions courtes pour qu'on tienne dans le temps, si ça vous va comme formule. Ce que pour ma part, donc, je souhaitais, après cette introduction, entre guillemets, de fait objectif, ce que je souhaitais dire, c'est que on va donc avoir tout à l'heure le dixième 49.3. Je ne ferai que répéter, mais vous n'étiez pas tous là, ce que j'ai dit l'autre jour en présentation de la motion de censure présentée par mon groupe, c'est que la première chose, c'est que au départ, ça a été des 49.3 pour ne pas voter, et au bout d'un moment, ça a été aussi des 49.3 où il n'y a pas eu une minute de débat. Et que je considère qu'on ne peut pas entendre les arguments qui nous ont été opposés sur l'idée à quoi bon, puisque de toute façon, les oppositions avaient dit... dès le départ qu'elle ne souhaitait pas voter le budget. D'abord, c'est pas vrai, toutes les oppositions, je dois le dire. Et puis, secondo, chacun comprendra qu'on ne peut pas, j'allais dire presque, conditionner le vote de l'Assemblée sur des budgets ou le débat au fait que les oppositions acceptent de voter le budget. Bon, c'est quelque chose qui pourrait nous conduire assez loin comme logique. Et moi, je crois tout simplement qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de vote. Parce que ça dénote le fait qu'on a un gouvernement qui est minoritaire, que ce soit à l'Assemblée ou au budget. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que bon, le 49.3, par essence, moi, je me pose un problème démocratique global. Mais là, on a des 49.3 qui ont été assez spécifiques, parce que ça n'a pas été des 49.3 utilisés parce que vous avez des frondeurs dans une majorité, et donc vous n'êtes pas sûr sur un texte d'être majoritaire, ou parce que vous avez une opposition qui, entre guillemets, fait de l'obstruction. C'est des 49.3 utilisés parce qu'il n'y avait pas de majorité. Je crois que de ce point de vue-là, tout en, pourquoi pas utilisant le 49.3, même si j'ai dit mon avis, je pense qu'il aurait pu être possible de le rendre un peu plus supportable, non pas pour les oppositions, mais pour l'Assemblée de manière globale. Par exemple, en retenant certaines des grandes mesures qui ont été majoritaires dans les deux chambres. Alors, majoritaire, pas forcément à l'Assemblée, parce que, par exemple, si je prends le CVAE, on s'est arrêté avant l'article 5, donc on n'a pas pu montrer qu'il y avait éventuellement une majorité, au moins pour le reporter, mais on sait que ça a été le cas au Sénat. Ça a été le cas aussi, par des amendements un peu différents, dans toutes les volontés de, j'allais dire, que l'isolation thermique des bâtiments ait plus de moyens, plus de possibilités. Ça aussi, c'est des choses qui ont été écrites, dites, et je prends un troisième exemple, et je suis sûr que d'autres collègues auront d'autres exemples sur, par exemple, les efforts pour le rail. Je pense que le gouvernement aurait eu là l'occasion d'entendre ce qui montait de l'Assemblée et un peu de prendre, j'allais dire, en considération la nouvelle période politique qui est devant nous, qui fait qu'il n'a pas une majorité comme ça pour définir les choses. Et je crois que ça aurait été meilleur, j'allais dire, pour tout le monde. La troisième et dernière chose que je voulais dire, c'est que dans ce cadre-là, si le gouvernement n'a pas retenu, pour ma part, suffisamment des choses qui se sont exprimées de manière majoritaire dans les deux chambres, par contre, je suis très étonné qu'il ait intégré des amendements, des articles importants qui n'ont été débattus nulle part, ni en commission, ni en séance, ni au Sénat, etc. Et pas n'importe quoi. Je pense par exemple aux captifs d'assurance, qui sont pour nous une véritable niche fiscale créée ainsi et qui pose des gros problèmes et sur lequel, si on se souvient bien, le ministre Le Maire avait répondu à Valérie Rabault en séance que cet article ne serait pas introduit, l'a été, là encore, sans ni vérifier évidemment de majorité, mais même sans que jamais ça ait été discuté. C'est vrai aussi du compte formation avec désormais une partie ne va être payée par les salariés. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'a été discuté nulle part, qui est intégré dans ce budget, qui déjà lui-même a été adopté dans des manières un peu spécifiques. Je prends un troisième exemple, c'est celui du loto sport, du loto biodiversité. Alors là, pour le coup, qui a été présenté en commission et battu en commission, y compris avec des votes de membres de la majorité, je pense le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne me semble pas être un sujet
suffisamment structurel et décisif pour le budget pour l'intégrer malgré tout ça, quoi. Bon, je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles moi je m'y suis opposé, je l'ai fait ici. Voilà, c'est des exemples où je pense qu'il aurait, enfin c'est pas que je pense, je crois, il aurait vraiment été nécessaire d'éviter ce genre d'article tombé pour je ne sais quelle raison de pression dans un projet de loi qui déjà a été adopté de manière un peu spécifique. Voilà ce que je voulais vous dire avant cette dernière lecture, puisque nous n'aurons pas l'occasion de le dire tout à l'heure en séance, et je donne la parole au rapporteur général. Merci. Merci, Monsieur le Président, mon cher collègue. Quelques mots, effectivement, rapidement, peut-être, parce que c'est vrai que nous sommes ensemble depuis 3 mois, redire 2-3 fondamentaux sur ce budget. C'est d'abord un budget protecteur pour les Français, vous le savez, avec le plafonnement de la hausse de l'électricité et du gaz pour l'ensemble des Français, avec toute une série de mesures qui ont été prises pour les entreprises, l'amortisseur, pour les entreprises énergo-intensives, les mesures qui ont été prises pour les collectivités territoriales, avec une hausse exceptionnelle de la DGF, avec également un filet de sécurité qui a été revu et amplifié à de nombreuses reprises. Donc c'est de toute évidence un budget protecteur qui a pour objectif de faire en sorte que l'inflation pèse le moins possible sur nos concitoyens. Deuxième caractéristique de ce budget, c'est qu'il traduit nos priorités. Là aussi, on ne le redira pas assez. Il traduit notre effort sur l'éducation nationale avec 3,7 milliards d'euros supplémentaires, en particulier l'augmentation des salaires des enseignants l'année prochaine. 3 milliards d'euros supplémentaires pour la défense. Et aujourd'hui, personne ne peut contester l'importance de se réarmer avec ce qui se passe aujourd'hui. Des investissements aussi très importants pour création de 200 brigades de gendarmerie, réouverture d'un certain nombre de sous-préfectures, avec 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur, 6,7 milliards d'euros de plus pour le ministère du Travail. Donc voilà, clairement, les priorités sont là pour soutenir l'apprentissage, soutenir également la rénovation thermique, puisque nous avons à la fois lancé un fonds vert de 2 milliards d'euros et augmenté de plus de 500 millions d'euros MaPrimeRénov', qui est un programme qui fonctionne, qu'il faut améliorer, mais qui fonctionne. Donc, un budget protecteur, deux, un budget qui traduit nos priorités, et trois, c'est un budget qui nous permet de maîtriser la dépense publique. Je crois que c'est aussi très important. On a vu dans nos comptes publics cette année et l'année prochaine l'augmentation de la charge de la dette de manière significative liée à l'augmentation des taux, évidemment, et à l'augmentation de notre déficit. Il en va de notre crédibilité. Il en va de la dette que nous léguons à nos enfants, que de tenir ce cap de passer sous les 3% de déficit en 2027. Et nous ne sommes crédibles que si nous maintenons un déficit de 5% l'année prochaine. Donc je comprends bien que ce n'est pas suffisant pour ceux qui souhaiteraient aujourd'hui qu'on freine très fortement les dépenses publiques. C'est trop pour ceux qui considèrent aujourd'hui qu'il faut soutenir la dépense publique. Nous pensons que nous avons là un équilibre pour ne pas refaire les erreurs de 2008. En freinant trop rapidement la dépense publique. Il y a encore trop d'incertitudes l'année prochaine, d'un point de vue géopolitique, macroéconomique, pour aller au-delà. Dernier point, pour ne pas prendre trop de temps et revenir sur les éléments, moi je voudrais remercier l'ensemble des députés, remercier l'ensemble des groupes pour le travail qui a été fait sur ce PLF. Est-ce que c'est complètement satisfaisant ? Non, bien évidemment. Mais j'essaie d'être le plus honnête possible. Est-ce que c'est complètement satisfaisant ? Non. Le PLF, l'examen du PLF a une forme assez inhabituelle, mais quand même, nous avons passé 150 heures de débat entre la Commission et l'hémicycle. C'est quand même un temps très important. 10 000 amendements, un peu plus, on n'a pas tout à fait le même comptage, mais c'est l'ordre de grandeur, ont été adoptés. Et il y a eu de vrais apports des assemblées au cours de ces lectures. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a eu l'exonération malus
et CO2 et poids sur le SDIS, le filet de sécurité sur les collectivités territoriales qui a été grandement amélioré, le plafond de frais de garde pour les enfants, le plafond de l'ISPME, le plafond d'exonération des tickets restaurants, la demi-part des conjoints survivants d'anciens combattants, 140 millions d'euros pour les régions, 300 millions d'euros pour les AOM, que ce soit en Île-de-France, Île-de-France Mobilité et les AOM de province, augmentation des taxes affectées pour les chambres d'agriculture et les chambres et les CM1, donc chambres des métiers et d'artisanat, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a un vrai travail, là aussi, qui s'est fait dans un contexte assez particulier, mais qui se traduit quand même, et je pense que toutes les discussions, tous les débats que nous avons eus ont été entendus par notre majorité et par le gouvernement. Peut-être revenir sur deux, trois points que je ne partage pas tout à fait avec le président. Bon, si par exemple il n'y a pas... Ce serait inquiétant. Non, oui, mais on est d'accord sur un certain nombre de sujets, en tous les cas sur un certain nombre de constats, pas nécessairement sur les moyens à mettre derrière. Mais devrait y avoir un 49-3, parce que pourquoi on le fait avant la discussion générale ? Pas pour supprimer la discussion générale, mais tout simplement parce qu'il y a une motion de rejet, et si on votait la motion de rejet, nous n'aurions pas de budget. Donc, exactement. Bon, ça confirme ce c'est avant dit. La motion de rejet. Donc, si vous voulez, voilà, on aurait tous aimé, là aussi, avoir une nouvelle occasion d'expliquer nos positions différentes, mais comprenez que notre pays a besoin d'un budget au 31 décembre. Vous dire aussi que on peut avoir le sentiment, tout au long de cet examen, qu'on a quelquefois raccourci alors qu'on aurait pu peut-être faire durer un peu de plaisir. Mais regardez, en faisant tout ça, on arrive quand même à un budget qui va être... réalisé ou adopté ce week-end, le 18 ou 19 décembre. Donc vous voyez qu'on n'avait pas de marge, puisqu'on a cette obligation d'adopter ce budget avant la fin de l'année. Je pense que les décisions que nous avons prises à un moment donné pour arrêter un certain nombre de débats se justifiaient par le délai tout à fait global. Dire aussi, les Français le savent, mais que ce sont 10 49-3, mais c'est un seul budget. Il ne faut pas qu'il y ait l'impression que ce sont 10 textes différents qui sont passés de cette manière-là. C'est le budget de la France avec son volet finances publiques et son volet sécu, évidemment, qui ont été votés. Et puis, peut-être dernier point, rectifié sur la captive d'assurance, Monsieur le Président, ça a été débattu en commission et ça a été voté en commission. Donc ça ne fait pas partie de la liste des sujets qui n'ont pas été abordés. Voilà. Merci encore à tous pour vos contributions et le travail que nous avons eu tout au long de l'examen de ce PLF. Ok, merci. On va passer aux explications de groupe. 2 minutes, par contre, je serai assez regardant pour qu'on ait le temps de les faire. Je suppose que je commence par Monsieur Lefebvre, Mathieu Lefebvre pour Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez d'abord de remercier le rapporteur général pour le travail considérable qu'il a effectué sur ce projet de loi de finances et que tout bord politique nous saluons. Saluer également votre présidence, Monsieur le Président, ainsi que l'ensemble des députés sur ces bancs qui sont assidus à nos travaux, ainsi que les administrateurs et les collaborateurs de groupes politiques. Je crois que l'humilité devrait être de mise face aux enjeux que nous traversons. On vit une inflation qu'on n'a pas connue depuis 40 ans, une crise énergétique exceptionnelle, des tensions géopolitiques majeures. Je regrette que nous ne soyons pas capables de travailler ensemble à la recherche de solutions face à ces enjeux qui nous dépassent. Je voudrais regretter que le compromis suppose toujours des agents du compromis. Et de ce point de vue, quand l'ensemble des oppositions nous ont dit dès le départ qu'elles voteraient contre ce budget, ce sont hélas elles qui sont responsables de l'utilisation du 49-3. Vous répondrez, je laissez les intervenants. Par ailleurs, le compromis, ça n'est pas la compromission. Vous nous dites, on aurait pu peut-être voter votre budget, mais à nos conditions. Malheureusement, pour les oppositions, le projet du président de la République a été majoritaire dans les urnes. Et par conséquent, il est inconcevable pour nous que de prendre des propositions des oppositions qui viendraient soit alourdir notre endettement, soit alourdir les impôts. Enfin, je voudrais redire, comme le rapporteur général, à quel point ce projet de budget
est un budget de protection efficace au service de la lutte contre l'inflation. On a obtenu des résultats sans précédent en matière de lutte contre l'inflation. Ce budget va permettre de le poursuivre. Au service de l'emploi et du pouvoir d'achat, avec les baisses d'impôts qui se poursuivent, mais également de financement de nos priorités, le rapporteur général l'a rappelé, s'agissant du régalien, s'agissant de l'éducation, s'agissant de la transition écologique. Ce projet de budget, c'est un budget qui est compatible avec une trajectoire vertueuse de nos finances publiques, qui fait preuve de sérieux budgétaire, un sérieux qui n'est ni l'austérité voulue par certains, ni le laxisme proposé par d'autres. C'est donc un chemin important et utile dont nous sommes au groupe Renaissance très fiers. Merci beaucoup. Monsieur Tanguy, pour le groupe Rassemblement National. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je m'associerai et le groupe Rassemblement National, évidemment, aux remerciements envers le rapporteur général, envers vous-même, envers votre présidence. Je tiens à dire, parce que Dieu sait que nous sommes opposés sur le fond et que nous sommes opposés pour obtenir cette présidence, que je tiens à saluer l'esprit républicain qui anime votre présidence, la façon dont sont traités l'ensemble des groupes et dont vous menez le débat. Et notre groupe n'a jamais eu à se plaindre de votre présidence, bien au contraire. Et donc, je tiens à le dire. Je tiens aussi à saluer et remercier M. Cazeneuve, pareil, qui régulièrement tient compte de nos remarques. Et donc, je tiens à le remercier, puisque c'est évidemment la meilleure façon possible pour travailler. Je tiens aussi à profiter de ce moment pour m'excuser auprès de notre collègue Patricia Lemoine pour le ton inapproprié avec lequel je lui ai répondu hier, qui est effectivement inapproprié par rapport à la Commission. Et donc, je tiens, comme je l'ai dit publiquement, je tiens à m'en excuser de la même manière publiquement. Sur le fond, écoutez, je ne vais pas revenir sur nos désaccords sur le texte, ça ne servira à rien, puis en deux minutes, ce serait un peu court, donc j'ai préparé pour tout à l'heure 5 minutes de DG, pour ça ne servira à rien, ce n'est pas grave. Sur le fond, moi, je regrette que dans cette Commission, parfois, on ne travaille pas assez, notamment de la faute du gouvernement, pas de la faute des parlementaires, sur vraiment les analyses, par exemple la structure de l'inflation. Voilà, comment on pourrait vraiment lutter avec des mesures désinflationnistes sur la structure de l'inflation, sur les secteurs d'économie, je repense, sans vouloir parler à leur place, à ce que nos collègues LR ont proposé comme commission transpartisane pour étudier les secteurs d'économie sur lesquels on pourrait faire les propositions que j'ai faites à Monsieur Attal sur l'efficacité de la dépense publique qui s'est limitée à une mission sur le logement qui ne me semble pas à la mesure des faits. Voilà. Il y a des analyses que nous pourrions faire en tant que parlementaires de manière transpartisane qui permettraient d'améliorer l'action publique et de faire un travail sur plusieurs années qui permettent d'aller au-delà de la polémique. Je le regrette un peu. Sur la forme, je réitère ce que j'ai dit la semaine dernière. Ce n'était pas une volonté de créer une polémique. Je pense sincèrement, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, en disant les 10 49.3, c'est en fait un seul. Bah oui. Donc là, il y a un problème de lisibilité de notre action collective, d'exaspération d'une partie de l'opinion publique par rapport à des phénomènes parlementaristes qu'ils ne comprennent pas. Donc l'alerte que j'ai faite n'était pas une alerte polémique. C'était vraiment une volonté qu'on réfléchisse ensemble à comment, effectivement, il y a un 49.3 sur un budget et pas 10. Merci, Monsieur Tanguy. Madame Louwagie, pour les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Je dirais rejoindre toutes les personnes qui ont remercié à la fois le rapporteur général et vous-même, Monsieur le Président, pour la manière dont les débats et les échanges, les examens de textes ont pu être conduits sur cette période. Sur la forme, j'ai entendu le rapporteur général qui indiquait qu'il y avait eu un certain nombre d'heures de débats, mais il est vrai que les débats et les échanges dans l'hémicycle sont importants puisqu'ils participent par ailleurs le plus souvent à des engagements du gouvernement et à des échanges qui sont forts et qui sont pertinents pour les députés. Dire également que sur la première partie du texte, nous avons été très contrariés de revoir l'article 40 quater revenir, même s'il est reparti aujourd'hui, qui était la version article 23 de la loi de finances et du projet de loi de finances du. Non, je ne veux pas arriver à le dire, de la loi de programmation des finances publiques. Voilà. Sur la deuxième partie, dire que nous avons été aussi très surpris de voir un amendement du gouvernement qui s'intitule « Amendement gouvernement version Ollier », puisque je pense que Patrick Ollier n'est plus député, si je me trompe. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Sur le fond, renouveler nos inquiétudes quant à la situation du déficit, qui finalement s'est creusée durant cet examen, de 158,4 milliards à 164,9 milliards. Et dire que derrière, c'est la situation de la dette qui est inquiétante, parce que la France va être le premier émetteur net de la zone euro sur la période. Donc ça reste une inquiétude. Et je regrette, nous regrettons, que la majorité, le gouvernement, renonce finalement à la maîtrise de la dépense publique. Parce que il s'agit de pouvoir mieux investir. Donc ce qu'il faut, c'est dépenser moins et dépenser mieux. Voilà. Et je regrette également que nous n'ayons pas eu de débat
suffisant sur tout ce qui concerne les mesures de soutien en matière énergétique, parce que ça va être un vrai sujet. Et j'aurais notamment une question à vous poser, monsieur le rapporteur général, sur le document que vous nous avez fourni lors de la dernière commission, dont je vous remercie, puisque c'était une de mes demandes. Mais j'avoue que je ne comprends pas bien les trois dernières lignes de ce tableau que vous nous avez donné concernant la Creux. Donc si vous pouvez nous redonner quelques éléments, je vous remercie. Merci. Pour LFI, David Guiraud, peut-être. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, on s'associe aux félicitations, au travail qui a été fait en commission des finances par la présidence, par Monsieur le rapporteur général. La commission des finances, je crois, a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait le boulot plutôt bien dans un contexte où on a un gouvernement qui nous menace à chaque fois d'un 49-3 et qui vide en partie, en substance, nos travaux, qui vide y compris la motivation de beaucoup de collègues sur beaucoup de rangs, parce que on se dit qu'on parle de choses qui ne seront même pas discutées en hémicycle, et forcément, y compris pour les nouveaux députés, c'est un sujet de préoccupation. Sur le fond de ce projet de loi de finances, nous regrettons ne pas avoir été entendus une seule seconde. Nous regrettons que vous ne compreniez pas que votre politique, qui manque d'investissement, je pense notamment à toute la question de la rénovation thermique des bâtiments, où on aurait pu mettre les moyens et on ne l'a pas fait, va vous coûter au final beaucoup plus cher que les mesures d'économie. Aujourd'hui, même en ce moment, les Français ont froid dans leur logement parce que dans des pièces, il fait 12 degrés, 13 degrés, ils tombent malades, ils vont faire la queue pendant des heures chez des médecins qui sont eux-mêmes débordés parce qu'ils ne sont pas assez dans les territoires, parce qu'il n'y a pas de politique d'implantation de la santé de proximité. Ils vont aux urgences, les urgences elles-mêmes sont débordées par quelle sorte d'année de Covid où les personnels sont complètement carbonisés, mal payés et pas en capacité d'accueillir les gens parce qu'il n'y a pas de moyens de l'État. Et toute cette chaîne est en train de s'effondrer dans tous les services publics que compte ce pays. Et ce projet de loi de finances, malheureusement, ne participe pas à la redistribution qui aurait été la bienvenue. La redistribution, c'est pas faire payer les PME et les gens avec la TVA et la redistribuer dans les 150 milliards d'euros qu'on donne aux entreprises, notamment aux grandes entreprises de ce pays. La redistribution, c'est pas enlever des marges de manœuvre aux collectivités locales pour alimenter notamment le CAC 40, qui est le grand bénéficiaire, le grand garant de toutes ces mesures dans ce projet de loi de finances. C'est pas non plus le fait de nier l'importance du partage des richesses et du fait que les catégories les plus aisées de la population sont en train de s'en sortir. Voilà pourquoi nous redisons notre position totale au fond de ce projet de loi de finances. Qui pour le groupe démocrate ? Madame Ferrari. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présidence et remercier le rapporteur général pour la bonne tenue des débats tout au long de cet automne budgétaire. Je salue le travail des rapporteurs spéciaux et des membres de la Commission. Et j'aurai un mot également pour les administrateurs et les fonctionnaires de la Commission qui nous ont beaucoup assistés, ainsi que pour nos collaborateurs de groupe. Alors, des points de satisfaction sur ce budget qui permet de soulager, ça a été rapporté, et d'aider nos concitoyens dans cette crise. Des budgets supplémentaires pour l'enfance en danger ou encore des mesures de soutien pour nos agriculteurs. Un renforcement également du budget alloué à la rénovation énergétique. Sur le régalien, nous poursuivons notre travail de refondation pour la santé, pour l'éducation nationale, pour nos forces de sécurité, pour la justice, où nous confirmons une hausse de 8%, pour nos armées, où nous suivons la loi de programmation militaire. Pour notre économie, enfin, avec la poursuite de nos efforts en faveur de nos entreprises. Et puis, pour les collectivités territoriales, avec Joël Giraud, nous sommes satisfaits des avancées sur le filet de sécurité, la hausse de la DGF, le refus de caper l'évolution du foncier, qui est important, le fonds vert, l'abandon de l'article 40R, les aménités rurales et dotations de biodiversité, la répartition de la taxe d'aménagement et l'extension du zonage de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Quelques regrets toutefois. Pas de réforme systémique de la fiscalité du logement, malgré des propositions en ce sens. Une réflexion et un travail engagé, mais à terminer, sur le partage de la valeur. Et ne pas avoir réussi, malgré nos efforts, à éviter le blocage des oppositions. Bien évidemment, le groupe démocrate votera ce texte. Et nous espérons que le printemps de l'évaluation s'annoncera très intéressant au travail... Au regard du travail que nous avons fourni ensemble. Madame Louvagie qui me perturbe. Merci. Merci. Monsieur Boulou pour le groupe socialiste. Oui, merci. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, collègues, je me joins évidemment aux remerciements pour le président, le rapporteur et les administrateurs. Le groupe socialiste et apparenté ne se satisfait pas de ce budget, pour trois raisons principales. Le manque de sincérité, le manque d'ambition écologique et sociale, et puis, plus globalement, une protestation sur les méthodes employées pour arriver à ce budget.
Vous nous parlez d'hypothèses volontaristes. Tout le monde sait qu'on n'aura pas la croissance espérée et que malheureusement l'inflation est installée. C'est sur le premier point. On n'aura pas la croissance espérée en grande partie car vous manquez d'ambition sur l'investissement de l'État et des collectivités locales, alors que tant est à faire dans les domaines écologiques et sociaux. On l'a rappelé, la rénovation des bâtiments, le train, etc. En ne voulant sous aucun prétexte faire contribuer les plus aisés, que ce soit les particuliers ou les entreprises, on se prive volontairement de marge de manœuvre. Que retient-on de son budget finalement ? On retient la baisse de 8 milliards d'impôts par an à terme avec la suppression de la CVAE. Et vous allez enchaîner en janvier pour demander autant d'économies sur les retraites. Autrement dit, faire payer les futurs retraités les cadeaux aux grandes entreprises. Protestation sur la méthode, que vous ne sachiez pas aborder le parlementarisme de fait. Par orgueil, vous restez campé sur vos positions. Alors oui, il y a quelques semaines, un dialogue timide a pu se nouer avec les oppositions sur le PLFR 2. Pourquoi ne pas avoir voulu l'appliquer sur ce PLF ? Vous vous rappelez d'ailleurs que sur le PLFR 2, au final, la plupart des groupes de la NUP se sont abstenus pour permettre de laisser passer ce budget rectificatif. Voilà, prenez-en de la graine peut-être pour l'année prochaine, pour essayer de faire mieux. Bon, pourquoi rester toujours campé sur ces positions libérales et je le redis, pourquoi ne pas taxer les super dividendes et les super profits ? On reviendra encore une fois sur ces éléments et on ne lâchera pas là-dessus. En tout cas, devant les insuffisances de ce budget, devant le peu de considération affichée à la représentation nationale, si nous avions pu voter, nous aurions voté contre ce budget. Merci. On va voter là. Oui, on va voter en commission. Lise Magnier pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je souhaite commencer par m'associer à tous les remerciements qui ont été d'ores et déjà formulés. Vous remerciez, vous, Monsieur le Président, pour la façon dont vous nous permettez de mener nos débats et à travers vous l'ensemble des administrateurs et fonctionnaires de notre commission. On sait l'immensité du travail qu'ils fournissent, notamment en cette période automnale et hivernale. Donc un grand merci à eux. Remercier notre rapporteur général du budget et ses équipes également. Ils abattent aussi une somme de travail assez considérable. Et puis remercier évidemment tous les collègues qui ont participé à nos débats, riches, fournis en commission notamment. Et à travers ces propos, dire que oui, je partage aussi le sentiment de frustration qui a pu être exprimé par certains sur ce 49.3. Il est utile, il est nécessaire. Notre pays a besoin d'un budget qui puisse être mis en application dès le 1er janvier. Donc c'est un outil constitutionnel. Il est légitime pour moi que le gouvernement y recourt, même si pour nous, les parlementaires, effectivement, ça a un côté frustrant puisque ça ne nous permet pas d'aller toujours au bout de nos débats en séance. Pour autant, je pense qu'on a effectivement pu cheminer tout au long de nos travaux, notamment en commission, pour aboutir à un budget effectivement qui répond notamment aux préoccupations de nos concitoyens. D'abord par un réarmement des compétences régaliennes de notre pays, et le groupe Horizon y est particulièrement attaché à ce que l'État retrouve sa place régalienne, et puis également les mesures de protection destinées à nos concitoyens. Je pense aussi à ce qu'on a fait pour nos agriculteurs dans ce PLF 23. Il ne faut pas l'oublier, ça n'a pas beaucoup été cité, mais on a aussi beaucoup on accompagnera encore nos agriculteurs en les dotant des outils nécessaires. Je redis ici sur la protection concernant l'explosion des coûts d'énergie que les dispositifs qui sont aujourd'hui en place ne sont peut-être pas encore complètement calibrés aux besoins de, notamment de nos TPE-PME. Et il faudra que l'on poursuive les travaux comme on a su le faire, notamment au moment du Covid où on savait manipuler les outils autant que de besoin. Et évidemment, vous l'aurez compris, le groupe Horizon votera ce PLF 23. Je vous remercie. Merci. Eva Sast pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général. Je m'associe aux remerciements de mes collègues sur la qualité de la présidence et des échanges que nous avons eus en commission. Nous voici donc au terme d'un débat malheureusement tronqué et étouffé par la succession de 49.3 sur ce projet de loi de finances. Et le problème, ce n'est pas tant que soit utilisé le 49.3, c'est surtout le mépris des votes de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le texte qui sera retenu en définitive. La majorité de l'Assemblée nationale a voté la taxe sur les superdividendes, une taxe juste pour faire contribuer ceux qui profitent de la crise et de la flambée des prix à la solidarité nationale. Cette proposition a été ignorée, elle était pourtant issue de la majorité.
L'Assemblée a voté également 7 milliards d'euros pour la rénovation thermique, se faisant ainsi les porte-voix des Français qui veulent pouvoir isoler leur logement et voir leur facture de chauffage baisser. Nous n'avons pas été écoutés et le budget de la rénovation thermique n'a même pas été augmenté, même un peu. L'Assemblée a voté également 3 milliards d'euros pour développer le train, une alternative crédible aux véhicules individuels. Cela n'a pas été retenu. Le Sénat a, de son côté, voté la baisse de la TVA sur les transports en commun à 5,5%, une mesure essentielle au moment où les transports collectifs ont besoin d'être fortement soutenus pour rétablir un service décent et limiter les hausses de tarifs pour les usagers. Une fois encore, ça n'a pas été retenu. La seule chose que contient finalement ce projet de loi de finances, c'est la suppression de la CVAE, un énième cadeau fiscal aux entreprises, après les 10 milliards de baisse d'impôts de production en 2021. En matière budgétaire, il n'y a pas de « en même temps ». Nous proposons de mettre 7 milliards pour la rénovation thermique. Vous choisissez de mettre 8 milliards pour les baisses d'impôts pour toutes les entreprises, même celles qui n'en ont pas besoin. Ce sont là deux projets de société qui s'opposent. Et en matière d'écologie, on reste dans le discours, dans la communication, parfois sur YouTube. Mais nous, nous voulons des actes parce que c'est la responsabilité majeure de notre génération de prendre le virage écologique aujourd'hui pour éviter l'effondrement demain. Merci beaucoup. Il n'y a personne pour le groupe GDR, donc M. Castellani pour le groupe Liotte. Merci, Président. J'aimerais m'associer aux remerciements qui ont été avancés par les orateurs précédents. Remercier le Président sur la façon dont il gère nos travaux, M. le rapporteur général aussi, et puis l'ensemble des collègues et des administrateurs aussi, qui font que les travaux se déroulent ici dans un esprit tout à fait positif. Nous vous en donnons bien volontiers acte. Sur la gestion de ce budget, nous regrettons naturellement à notre tour ce recours répété au 49.3. Notre groupe a abordé ce budget comme de la politique générale, à la fois comme un groupe d'opposition et en même temps de proposition. Nous contestons un certain nombre d'orientations de ce texte. Nous considérons que la réforme de la CVAE n'est pas bienvenue, qu'elle survient dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires sont déjà très contraintes, où la dette atteint 111% et que cette réforme réduit l'importance de la fiscalité locale et coupe un peu plus le lien, je dirais, entre élus locaux et entreprises installées sur leur territoire. Bon, elle est compensée, cette réforme, pour le transfert plus important de TVA. Bien qu'il s'agisse d'une ressource dynamique que nous approuvons, elle expose nos collectivités, on le sait, à des retournements de conjoncture. En direction des territoires, toujours, nous avons exhorté à renforcer la dotation globale de fonctionnement des collectivités, à étendre le bouclier tarifaire. La navette parlementaire a permis des avancées, mais l'augmentation de 320 millions d'euros de la DGF par rapport au texte initial reste inférieure à l'inflation. Au rang des divergences encore, nous ne comprenons pas très bien pourquoi on refuse de mettre en œuvre une taxation super-profit, une taxation suffisante, pas dans un esprit punitif, mais dans un esprit de solidarité. La contribution exceptionnelle européenne dans le secteur de l'énergie est une mesure d'affichage pour nous, et son rendement budgétaire est tout à fait réduit, pour ne pas dire pire. Voilà. Écoutez, je pense que je suis un peu trop long. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un certain nombre d'aspects que nous soutenons dans ce texte. Voilà. Et qu'in fine, face à la situation difficile de stagflation, nous espérons qu'un retournement de conjoncture, on peut toujours espérer en cette fin d'année, qui donnera un peu d'oxygène à nos finances publiques. Merci. Bien, merci. Avant de passer au vote, je voulais vous remercier pour... Tous les remerciements, également vous remercier tous, parce que je pense qu'on a tous contribué à faire en sorte que cette commission se déroule dans un peu l'esprit que pour ma part, je souhaitais, en prolongement de ce qui avait été les années précédentes. Évidemment, je remercie aussi le rapporteur général à mes côtés pour tout le travail qui a été entrepris et les administrateurs, sans qui on ne serait pas grand-chose. Il faut le dire, nos collaborateurs également. Je vais repasser. Oui. Non, on va voter. Ah, il y avait une. Non, mais je vais passer le. De toute façon, bon, d'accord. Bon, bref. Je vous fête avant le vote, parce que vous avez tous vous levé après, des bonnes fêtes de fin d'année. La seule question donc, qui nous est posée est celle de savoir
Si nous approuvons l'adoption en lecture définitive du texte considéré comme adopté en nouvelle lecture par notre Assemblée, monsieur le rapporteur général, vous avez un mot à rajouter ? Pas de mot à ajouter. Donc, mise aux voix du texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, qui est pour ? Qui est contre ? À 14. Il est adopté. On se retrouve en séance. Merci.